J'ai donc pris un arrêté d'interdiction du spectacle de Dieudonné après une analyse des circonstances particulières de cette programmation d'un spectacle à Saint-Herblain jeudi prochain, jeudi soir, et aidé bien sûr par tous les éléments réunis et transcrits par la circulaire de M. Valls. Le recours doit être déposé, s'il le fait, devant le tribunal administratif de Nantes. Et on pourra donc en toute sérénité vérifier cette analyse et le point de droit important et sensible dans une démocratie de cet équilibre entre la liberté d'expression et le respect de la dignité de la personne humaine.